des clichés en noir et blanc, tout en sobriété, bien loin de son personnage de Bimbo. Maman pour la première fois, Paris Hilton partage de tendres photos de son fils, Phoenix. Ce lundi 3 avril, la femme d'affaires de 41 ans apparaît avec son bébé dans les bras. Un post légendé, tout mon cœur est liké plus d'un million de fois en quelques heures seulement. Si adorable, si heureuse pour toi. Félicitations, tu étais faite pour être maman et fils à maman pour la vie, peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Proche de ses fans, CIST également sur Instagram que Paris Hilton a annoncé la naissance de son fils en janvier dernier. Tu es déjà aimé au-delà des mots, écrivait-elle en légende d'une photo de la main de son bébé tenant la sienne. Devenir maman, la DJ en a toujours rêvé, nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d'amour pour notre petit garçon, confiait-elle à People Magazine. Le moment idéal est arrivé au début de la crise sanitaire du Covid-19, lorsque le monde était fermé. Supérieur à Paris Hilton, les hommes de sa vie. Paris Hilton est devenue maman dans le plus grand secret CIST sans en parler à leurs proches que Paris Hilton et son mari Carter Rum ont eu recours à une mère porteuse pour devenir parents. Quant au prénom de son premier enfant, la chanteuse l'avait trouvé il y a des années en explorant des villes, des pays et des états sur une map monde. Je cherchais quelque chose qui irait avec Paris et Londres, explique-t-elle dans son podcast. Phoenix, un nom avec de bonnes références à la pop culture, mais surtout en lien avec la créature qui s'enflamme pour voler à nouveau. Je veux que mon fils grandisse en sachant que les catastrophes et les triomphes se succèdent tout au long de notre vie. Et que cela doit nous donner un grand espoir pour l'avenir. Poursuit-elle. Avant d'ajouter, voilà, le nom de mon beau petit garçon est Phoenix Baron Hilton Rum. Quant à son deuxième prénom Baron, il rend hommage à son défunt grand-père, Baron Hilton. Il a toujours été mon mentor. J'ai tellement admiré mon grand-père, nous étions si proches et il me manque tous les jours, alors je voulais vraiment l'honorer en donnant son nom à celui de mon premier fils, a-t-elle confié. Crédit photo, bac gris du SA. But there's all times through the rough times I think you've got